Here comes the y'all don't really worry about it. Here comes the y'all don't really worry about it. Here comes the Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo spéciale, non pas pour du NBA, non pas pour du WW13, non pas du Day Rising, non pas du Trial, Spartacus Legends. Donc j'ai juste de le télécharger, donc c'est un jeu sur le Xbox Arcade qui est gratuit, non c'est pas pour les membres Gold, c'est gratuit bon, pour tout le monde, bien sûr pour les membres Gold évidemment, mais c'est pas un jeu du mois, donc je vais regarder donc qui l'a développé. Bon, un peu on va dire une petite découverte de Spartacus Legends, même s'il est sorti il y a bien longtemps. Qu'est-ce qui est similaire? Non, on s'en fout. Alors nous voyons voir donc que c'est un jeu multijoueur qu'on peut jouer en ligne, donc 2v2. Il y a donc du contenu additionnel, il y a du classement, donc c'est développé par Kung Fu Factory, édité par Ubisoft, c'est du genre combat, dans ce voilà quoi, c'est des tueurs quoi. On voit que j'ai quand même des potes qui ont joué dessus. Donc ça doit être un jeu de score, ouais, comme on voit, donc c'est du gladiateur versus gladiateur. Ben vous savez quoi, on va déjà aller, je vais faire ça hors vidéo mais c'est pas grave, on va le faire en vidéo. Voilà, télécharger. Comment on télécharge quelque chose, voilà. Ça, c'est rapide ça, 33,93 mots. C'est rapide, c'est du rapide ça. Allez, c'est du vite fait. Dites pas que c'est du vite fait ça quand même. Ah, j'ai même pas besoin de dire ouf quoi, que c'est déjà fini. Allez. Allez. Quand même. Je suis youtubeur. Il doit me faire plaisir. Ben en attendant, donc que téléchargement se fasse, nous allons parler donc du jeu. Du jeu. Oh, j'ai pas regardé ce que c'était que les détails. Ok, donc nous allons voir un peu donc la détail, donc développé en collaboration avec la série télé à succès de Stars, Spartacus Legends vous propose de vivre des combats réalistes et brutaux en utilisant de multiples techniques de combat et des milliers de combinaisons d'armes. Suivez aux gladiateurs dans de nombreuses arènes et admirez-les tandis qu'ils tentent d'atteindre leur gloire légendaire ou bien meurent face à un autre combattant. Affrontez des amis en local ou en ligne et découvrez si vous avez le cran de tous les tuer. Ça met de l'ambiance franchement. Si t'as les couilles de tuer quelqu'un, voilà, c'était chargé. Donc nous allons lancer le jeu Spartacus Legends pour la première fois pour moi. Je vais le lancer pour la première fois. Big vidéo, hein, ça nous pense donc WWE. Hein. On a vu ça donc WWE, donc big vidéo. WWE. Alors après. Ouh là là. Ça donne envie. Franchement, moi, ça donne envie, franchement. Une belle musique d'intro présentant les développeurs, ça donne envie. Ok, donc normalement, il y a un mode solo à ce qu'on voit. Ouh. Franchement là, menu d'accueil là, avant d'appuyer sur Start, on voit comme une, ouais, comme une prison pour nous, mais ça serait plus un endroit où on mettait les gladiateurs à l'époque de Rome. Peut-être vous voyez pas trop, mais moi j'essaie de vous le dire. Donc on a Spartacus Legends en haut et Start à droite. La véritable gloire, ah ok, donc il nous dit un peu Capone, donc on doit être un serviteur pour Capone, je suppose. Ok, on va voir ce que ça donne ce jeu. Hein. Spartacus Legends, on sait qu'il va y avoir un Spartacus donc qui va sortir sur Xbox One. Donc peut-être qu'ils ont sorti Spartacus Legends en attendant, peut-être pour montrer un peu ce que ça serait. Mais un Spartacus ou un jeu de Rome, je sais plus comment il s'appelle, qui va sortir sur Xbox One, uniquement sur Xbox One, et je crois sur PS4 aussi. Alors voyons voir, donc on a le mode légende, le mode classement, aide et options, succès, quitter le jeu. Succès, voyons voir un peu les succès. Donc on en a pas trop, hein. Donc il n'y a pas de succès secret, c'est bien. Alors, remportez au moins un match dans chaque style de combat. Personnalisez et faites progresser un gagnateur pour atteindre un niveau de menace d'au moins 100. Remportez 5 combats consécutifs dans le quartier de Peninsula. Non, c'était pas qu'un jeu multijoueur en fait. Ok. Option et aide. Je regarde vite fait ça. C'est quoi ça? Ok, donc déplacer. Bon, on commande ça. Commande de la carte. Il y a une carte. Ouh, pas mal. Commande de la carte déjà. Donc il y a une carte. C'était annulé. Rank? Ah non, banque. Ludus, ça donne envie. Donc aide. Changer d'onglet, navigation, donc partie rapide et entrer dans l'arène. Ok, donc ça me paraît d'être un jeu multijoueur. Bloqué, donc LB ou LT? LB on dirait, donc bloqué, esquiver, rouler, attaque légère, attaque puissante, projection, pancras, roulade, pause, provoquer. Ok, donc c'est des bases. Oh putain, on a des techniques. Là c'est juste présentation, une découverte hein, pour moi. Ah ouais, il y a du truc hein. Épée, bouclier, épée double, lance et bouclier, arme d'aspe, dague double, épée à double main, marteau, à main nue, voilà. On a des couilles chez nous, on a des couilles. 4X, X, A. Oh, il y a quand même beaucoup de combinaisons, franchement. Hein. Ça donne envie. Paramètres, volume de musique, 8, volume d'effet sonore, 9, volume de bruitage ambiant, 8, sang et effet de gore, oui, nudité, oui, vibration. On va désactiver la vibration. On va laisser activer. Ok. Eh bien on est en mode légende hein. On a que ça alors. Bon, la musique là déjà de chargement elle est pas mal hein. Pour moi ça me ferait plus du métal. Dans cette ère de Viator ça passe bien. Spartacus, classement 845e. Attilus, classement 274e, ouais. Ouais, ok, c'est quoi le truc? Appuie sur X pour assigner des coups avec arme légère et rapide. Appuie sur Y pour donner des coups avec arme plus lent et efficace. Appuie sur A pour exécuter une attaque de Pancras. Ces attaques sont des attaques physiques avec une portée limitée qui permet de traverser la défense de l'ennemi avec efficacité. Peut-être que vous voyez pas, donc c'est pour ça que je lis. Réalisez des combos utilisant des touches d'attaque, reportez-vous à la liste des combos pour plus d'informations, frappez votre adversaire à 2 reprises. Alors, ok, on me pose, ça va. Ok, okay. Oh la classe. Appuie sur LB pour bloquer les attaques. Ok. Attaque-moi, attaque-moi, attaque-moi. Ah, maintenez R ou L et RB pour effectuer une roulade. Ok. Ouais, appuie sur B pour attaquer ou et projeter au sol un adversaire. Oh, c'est violent ce jeu, franchement, moi j'aime bien. Estime du public. Voilà, une petite provoque. Alors j'ai vu une technique. Ah, c'est une double lame. Donc c'est une double épée. Épée double A. XXXY, XXY, XXA. Ok. XX. Ok. Ouf. Oui, il y a du sang. XXA. Ok. Oh putain, il faut par contre... XX. Wow. Second souffle. Toutes les gladiateurs veulent se relever après une première chute. Pour remporter un combat, vous devez attaquer jusqu'à ce que votre adversaire ne veuille plus se relever. Voilà. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça part en couille. Ça part en couille. XX. Ah voilà. XX. Y. Waouh, 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 calme-toi mon pote, calme-toi. Bon, je regarde un peu les combinaisons parce que j'aimerais bien un peu vous montrer donc beaucoup de combinaisons. XY, ouais. Alors, en gros c'est un peu genre un Mortal Kombat quoi. X. Non, oula, il passe derrière moi. Allez. Oh là là. Après avoir assommé notre adversaire, appuyez sur X, Y ou B pour exécuter. Attends, il y a une fatality limite. Allez, attends. Combo léger. Combo puissant. Pancelage. Spécial. Alors, gauche, gauche, Y. Gauche, gauche. Ah, c'est moche. Ah, c'était moche, franchement. Franchement, comment je lui ai coupé la tête, c'était moche, hein. Ah, mais franchement, ça... Ah, c'est un beau jeu, franchement. Gladiators are honor made flesh for those they serve. For the glory of a house and its lanista. The ludus of Quintus Lentulus Batiatus was one such place. Elevated by victory, it became the greatest gladiator school in Capua. Now, the once proud ludus stands but shell, clinging to faded victories. Coin would see it delivered yours. Ready to soar over a city whose thirst reawakens with renewed hunger for spectacle and insatiable lust for blood, rekindled by a new arena and its need of fresh champions. There is but one way forward. Kill them. C'est vrai qu'à l'époque, l'époque de romaine, hein, c'était franchement du spectacle, de la violence pure, franchement. Et malheureusement, les films sont un peu censurés à cause des enfants qui regardent. Bah, sinon, c'est franchement de la pure tuerie. Vous allez sur Google, vous tapez combat de gladiateurs non censuré, un truc du genre pour bien la violence. Vous avez un truc de violent, hein, pire que le catch. Utilisez LB et RT pour sélectionner un quartier de ville, donc un point d'appui pour 1 pour y pénétrer, plus sur X pour gérer les équipes de vos gladiateurs. Ah, on a carrément des équipes de gladiateurs qui géraient nos devises. Ouh, pas mal, hein, pas mal ça du tout, pas mal du tout. Alors voyons voir, il nous a dit banque. De devises. Ok, donc on a combien? Ah ok, j'ai même pas assez, j'ai que 200 points. Et c'est 400 points pour avoir à peine 50 de vie. Attends, c'est pas Microsoft Point ça? Attends, je n'arrive pas, c'est pas Microsoft Point. Attends, je regarde juste un truc. Ah ok, en gros c'est pour... ouais ok, donc c'est pour ceux qui... C'est un jeu free to play, mais bien sûr dans free to play, ceux qui veulent avancer plus vite, ils achètent ça pour des points Microsoft. Donc ok d'accord, en gros là-bas je n'aurais pas besoin parce que j'ai pas envie de dépenser des points pour rien. Ok, donc X, voyons voir ce que c'est. Ah franchement c'est une petite découverte pour moi, hein, pour vous aussi peut-être. On vous a offert un esclave qui vous devait entraîner comme le premier ganateur de votre... Laidus ou équipe. Le niveau d'un ganateur reflète sa valeur augmente s'il utilise des équipements et armes de meilleure qualité et des aptitudes qui lui seront utiles au combat. Plus son niveau est élevé, plus la récompense est abondante lors de ses victoires. Ah ouais, bon, quand il nous dit esclave, c'est esclave, hein, c'est le petit slip en bois, le petit slip... je sais pas comment dire ce slip là franchement, les petites chaussures en bois, le slip en paille, l'épée en bois et le bouclier en bois, ouais, ouais franchement c'est un esclave quoi. C'est Viator. Oh putain, ils auraient pas pu trouver quelque chose de mieux franchement. Alors voyons voir, on va sur le deuxième plat, je peux avoir un ganateur, hein. Acheter des recrues, voici la liste de tous les ganateurs actuellement proposés à la vente. À mesure que votre maison gagne de l'or, je suppose, du truc renommé, de bien meilleures recrues sont déverrouillées. Donc nous voyons que nous avons donc... Ben, pour l'instant, on n'a acheté aucun. Celsius... Ben, je peux rien acheter pour l'instant. C'est juste une découverte des moments. Vois, franchement, vous pouvez peut-être vous ennuyer, mais bon. Alors, équiper le galateur. Donc, on a quoi? Donc, est-ce qu'il y a des bonus? Bonus... Ouais, bon, en gros, tu vas te démerder avec celui-là pour l'instant, ok. Glaive d'entraînement, mais je préfère avoir mieux qu'un glaive d'entraînement. Là, déjà, je peux acheter des trucs, donc... Ça, c'est quoi? Épée, trace en bois... Franchement, c'est sûr que c'est bien mieux que mon truc de merde, là, faut le dire. C'est quoi la différence? C'est que lui en classement il a 19 alors que lui il a 18. Voilà, on va prendre ça parce que c'est excellent, hein. Voilà, bon il est équipé. Alors un petit bouclier. Je sais pas, c'est bon, j'ai plus assez. Peut-être. Donc en plus, au début j'ai fait que dalle, donc je suppose que c'est logique. J'ai attention, j'ai une autre épée en bois, elle est encore mieux mon épée en bois. Mais on va dire directement se lancer donc dans l'aventure. Extremus. Voilà, Mercatus. Voilà, ça c'est du nom. Ok, mais je suis allé dans lequel alors? Ah ok, donc le numéro là, par exemple, c'est de renommée. Si tu vas y là, faut te renommer 6, là renommée 10, donc en gros je peux aller que là. Vue par quartier, faites des combats contre les adversaires aléatoires pour gagner de l'argent et de la renommée, ouais. Ouais, renommée 4. Argent, renommée, aptitude, tête dure. Ok, donc on a une aptitude qu'on peut débloquer. Voyons voir ça tout de suite. C'est déjà en multijoueur ou si c'est en solo? Mais j'ai que celui-là donc. Plus de voix, je veux plus de voix. Par contre, j'aimerais bien nommer mes gladiateurs. Là, je m'étais dit que ça serait un jeu où on pourrait personnaliser un peu, hein, donc un RPG un peu. Son gladiateur, mais oui, on peut, donc c'est un Mortal Kombat RPG, on va dire. Et je m'étais dit aussi qu'on pourrait renommer ces persos, mais non. Viator, attention, Léviator, tu mets les devant, ça fait Léviator. Ranulf, Ranulf, ta gueule. Alors attendez, je vais regarder un peu donc la liste des coups, on va dire. Donc épée bouclier, donc ouais, attendez. Oh, comment je l'ai mis par terre là, le mec. Moi, je parle pas du tout là, franchement. Oh putain, il a la rage, le mec, hein. Moi je l'ai achevé, mais en caleçon quand même, carrément. Franchement là il y a du sang, donc ça va, franchement ça va, c'est beau. Moi on peut le mettre à poil. Non non, on pense pas à ça, non. Pas un truc comme scène en vidéo, mon ami, pas un truc comme scène, sinon tu vas taper un truc moins de 18 ans. Et c'est pas ce que tu veux, un truc, je crois. Hein. Alors, le combat de l'arène peut connaître des issues différentes. Vaincre, vider à jauge de santé votre adversaire, tuer. Ouais, ah, ok, ouais, c'est en fonction de... Donc là, pour l'instant, c'est une victoire, donc c'est pas un meurtre. Ouais. Oh, pas mal. Je suis niveau 2, c'est bien. Récompense 50, argent 97, donc un truc d'or. Ouais, ouais, c'est pas mal. Nanana, un petit pouce vert. Voilà, pour ça, tout le pouce vert. Ouais. Donc, j'ai tête dure. Défense 10. Bah ouais, j'accepte. Donc, débloquer. Donc, je vais débloquer des pujoles en bois, des dagues en bois, ouais, des trucs, quoi. Ok, d'accord. Pro, j'ai plein de trucs à acheter, quoi. Ouais, arène. Alors, voyons voir ce que je pourrais bien prendre pour mon personnage. Je sais. Alors. Je vais prendre un casque, mon My Brother. C'est vrai qu'on peut encore un peu attendre pour le casque. Protection de thorax. Tu vois, quand tu vas prendre ça, voilà. Un peu de protection. Ouais, j'espère que je vais lui mettre quand même les protections, hein, parce que j'achète pas les trucs pour rien, moi. Hein. Non, il veut pas les mettre. C'est qu'on fait simplement des points. Je sais pas. Ah, ben là, j'ai débloqué plein de trucs. C'est ça que j'avais, moi. On va faire encore quelques combats et on va s'arrêter là. Parce que je crois qu'on a un peu tout vu, là. Franchement, c'est juste un combat de lutte, hein, on peut dire. Le combat, hein. Je crois pas qu'il y a autre chose à faire. Un let's play, ça, je crois pas que ça pourrait être efficace puisque je suppose que ça va être des enchaînements de combats sans histoire derrière. Il y a une histoire quand même, comme quoi tu veux voir ta famille, ta maison et tout, mais je crois pas que ça mérite un let's play. C'est un jeu arcade, donc faut s'amuser. Chloélus, ouais, ça rigole plus, il a un beau bouclier. Oh putain, ça rigole plus là, franchement. Putain, il rigole plus lui, hein. Ah, la technique, hein, la technique, les amis, la technique. Oh putain. Ouf. Oh là là. C'est serré les amis, c'est serré là. Je me suis complètement fait. Coupe la tête. Ah voilà, le petit cri de victoire. Ah, je crois qu'il y a une entaille en plus au torse. Et l'armure que je t'ai achetée, tu l'as où sur ton corps? Nulle part. Voilà. Il avait raison. Victor. Pas mal franchement le truc comme quoi. Dernière image et tout, c'est pas mal. Pas mal, le fric qui augmente, c'est bien ça, hein, j'aime bien. Et l'aptitude gagnée, insaisissable, bloque toutes les tentatives de saisie pendant 11 secondes lorsque votre défense est percée. Bon bah écoute ça, il va être dur moi. On va se faire un dernier petit combat. Quoi là, j'ai un truc et là j'ai pas le truc. Alors voilà, Spartacus. Franchement c'est un jeu gratuit donc allez télécharger. Ça coûte, c'est pas si cher que ça hein, franchement. Allez l'acheter juste pour voir comment le jeu se déroule. Et après, si vous avez envie de jouer dessus, bah, allez-y. Hein. Pour moi, perso, je trouve que c'est un très bon jeu. Hein. Gratuit, free-to-play, sur console. Je crois que c'est une exclue Microsoft. Oui, je suis pas sûr. Par contre, je suis pas sûr de ça. Et on verra ça. Voilà, c'est dit. Excusez-moi, un petit rototo. Viator. Les Viator, on va appeler les Viator celui-là, voilà. Leonidas. Begin. Gueule. Voilà. Gueule. Dégage. On va juste regarder s'il a une fatality celui-là. Pas trop que ça soit dur comme une fatality. Gauche, gauche, Y, ouais, quoi, c'est tout. Pareil pour tout le monde. Oh là là. Aïe. Mais allez, final battle. Heureusement qu'on a le second souffle quand même. Oh, bien l'esquive, bien. Et là, tu l'as esquivé celle-là. Voilà. Par contre, je suis pas encore de fatality. On verra au fil de l'aventure. Hein. Ah bah, j'espère que cette vidéo de présentation de Spartacus Legends, un jeu arcade donc sur Xbox 360, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez aimer, que vous allez télécharger parce que c'est un très très beau jeu de pure violence. C'est pas Mortal Kombat et que vous aimez bien les gladiateurs, bah, vous pouvez le prendre, hein, y a pas de soucis, hein. C'est un beau petit jeu. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchou, j'ai dans le poche, en plus je passe niveau 3. Ah bye bye, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, à toutes les gens. Bye bye, à plus. En plus on me paye à la puce.